Om Shanti. Om Shanti. Bienvenue à tous pour les valeurs pour la vie. C'est l'étape 26, épisode 20, 66, pardon. Alors, bienvenue à cet épisode sur l'empressement ou le zèle. On connaît Jenna, il y a Krina qui arrive de Mumbai. Bienvenue. Elle est associée depuis près de 50 ans. Elle est dédiée depuis entre 30 et 40 ans. Elle a fait plusieurs projets à l'ONU, le million de minutes pour la paix, la coopération globale pour un monde meilleur. Alors, à la dernière minute, elles sont venues parler. On a rencontré Jenna il n'y a pas très peu de temps. Elle parlait beaucoup de la venue de Manoj. Elle est allée visiter. C'était magnifique de faire partie de la famille à Washington, D.C. Alors, Jenna vient de Washington, D.C. Et alors, il va donner le poème sur les deux, Jenna et Krina. Toutes deux partagent leur sagesse sur l'empressement. Et en effet, elles nous montrent le vrai chemin vers le bien-être. Inculquer des vertus dans leur vie, dans notre vie, est quelque chose de bon pour notre mieux. Et ça nous libère des vilaines griffes de l'amertume. Essayons maintenant de vivre dans la vie avec la conscience constante de l'âme qui nous éloigne en effet de la folie consciente du corps. Beaucoup disent que la vie ressemble en effet à un fardeau ou même encore une grosse maladie. C'est parce qu'ils n'ont pas encore réalisé la profondeur de la finesse de l'âme. Rassemblons-nous tous et prenons le temps de notre business et essayons de ressentir la touche apaisante, le baume de la facilité avec elle. Merci. Claudia va venir présenter, leur offrir des fleurs comme elle le fait officiellement. Alors, on n'entend pas Claudia. On l'entend bientôt. Elle est probablement... Voilà. Bonjour. Bon après-midi pour certains. Bonsoir pour Sister Krina, qui est en Inde, à Mumbai. C'est un plaisir de vous avoir toutes les deux. Et comme Manoj a dit, on est empressés d'entendre ce que vous allez nous enseigner sur l'empressement. Alors, on va vous envoyer des fleurs. Alors, quelques gerberas. C'est le printemps ici. Les fleurs sont pour vous, pour toutes les deux. Alors, soyez... Quand je les ai vues, c'est comme les sœurs, elles sont roses. On va prendre le bouquet rose. Claudia les a choisies expressément pour Krina et Jenna. Merci d'être là. Merci, Om Shanti. Mon amie Krina, j'avais vraiment hâte de te rencontrer, de te revoir, parce qu'elle a fait beaucoup de choses sur son chemin spirituel. Et ça, j'ai bien hâte qu'on se parle ensemble. Je suis très honorée d'être avec vous, avec un grand groupe de Brahmines. Même avec ceux qui écoutent. Ce sont des participants qui sont là depuis un moment déjà. Je suis certaine qu'ils ont beaucoup de bonheur à entendre ces séries. Et j'ai hâte de voir la belle, parce que la valeur elle-même, le zèle et le dévouement, ou la hâte, au début, quand Manoj nous avait offert de faire cette de s'asseoir et de... Alors, c'était avec Mike George qui devait être là au début. Qu'est-ce que je sais sur la
Ah, tout sur les ailes, je suis enthousiaste, mais je ne suis pas sûre que je suis empressée. Et plus j'y réfléchissais, et Santosh, je me disais, tu es vraiment celle qui travaille pour le futur. Qu'est-ce qui va se passer plus? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et je vais partager avec vous sur la valeur. Vous pensez, vous apprenez beaucoup de choses, chacun des invités. Nous autres aussi, nous apprenons beaucoup. Et parce que nous sommes invités à participer, nous apprenons aussi beaucoup. Alors, on va voir comment est-ce que l'univers nous aide et nous inspire en ce moment. Et j'ai regardé un petit peu dans mes souvenirs d'expérience et même avant d'être dans la spiritualité, simplement être une personne ordinaire, j'étais dans mon adolescence et je cherchais ou à quel moment j'ai commencé à avoir de l'empressement, de la hâte. Et c'était surtout envers mes amis. J'avais toujours très hâte de rencontrer mes amis, d'être avec mes amis. Et graduellement, le monde est devenu mes amis. Et ce qui m'est resté de tout cela, c'est comme quand quelque chose devient notre monde, on a très hâte, on n'a pas besoin d'autres choses pour travailler sur la hâte. Quand on a un monde à nous, on a déjà hâte. Et je repense à quand j'étais en train de grandir spirituel, un des aspects, il y avait des sœurs plus jeunes qui étaient là en même temps que moi, à d'autres centres, et leur communication, leur relation avec moi m'ont aidé à grandir spirituellement. Et à chaque fois que je devais les rencontrer, j'avais à discuter avec elles, j'avais vraiment hâte de les rencontrer. Et en grandissant, il y avait un bonheur naturel en moi. Alors, j'expérimentais de la hâte, mais de cette manière et de plus en plus. Mais c'était vraiment des moments comme cela. Il y avait, quand j'étais avec mes amis, alors avec des sœurs dans des centres, avec des jeunes, des sœurs un peu plus jeunes, j'avais beaucoup de hâte à les rencontrer. Et je travaillais avec cette valeur à ce moment-là. Je veux vraiment, c'était aussi une émotion, peut-être plus qu'une valeur. C'était comme l'émotion, et pour moi, Dikrina, c'était très positif. Qu'est-ce que c'est ta perception, Jenna? Merci d'entendre ton histoire. Et je rigolais, je souriais à l'intérieur quand j'étais jeune. Ma hâte, c'était de faire mon premier million. On focalise sur des choses différentes, mais la valeur ou les vertus ou l'anxiété est entre nous, c'est simplement dirigé de façon différente. Je vais partager avec vous dans mes moments où j'avais vraiment hâte, où j'étais dans l'empressement. Je vais essayer d'extraire de ma personnalité. Parce que ça fait longtemps que je voyage. Il y a quelque chose qui s'est enregistré à l'intérieur de moi. Donc, je vais parler pour moi d'abord. Mais j'aimerais que vous pensiez à cela de mon point de vue. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous, un enregistrement à l'intérieur de nous. Et je pense que de façon innée, La hâte, c'est d'être, de se diriger vers la prochaine dimension, la prochaine expérience, la prochaine étape de notre vie.
c'est la prochaine scène, ce qui devra me donner la satisfaction, du plaisir ou encore l'enthousiasme pour continuer à avancer, à progresser. Et quand je regarde à l'intérieur de l'âme, d'un point de vue de l'adolescente, j'avais toujours l'empressement ou la hâte de savoir quoi d'autre. Qu'est-ce qui va en sortir encore? Et quand j'ai commencé à faire la méditation Raja Yoga, j'avais une ivresse plutôt spirituelle. Je voulais sentir la pureté de Dieu sur mon âme. Et il y a cette énergie de Dieu sur la planète. Et j'ai vraiment un empressement à me connecter à cette énergie. Et aussi, j'ai cet empressement depuis que je suis avec le Raja Yoga, avec les Brahma Kumaris. Et quand cet éveil en moi, j'ai commencé à voir que cet enregistrement qui est déjà à l'intérieur m'attirait. C'était comme si j'avais hâte de savoir ce que j'ai, quel est l'empressement de partager ce qui m'habite. Laissez-moi m'exprimer sur cette hâte, comment Dieu avait je voudrais expliquer comment le végétarisme avait de l'influence sur moi et j'avais cet empressement d'apporter plus de lumière au monde. Alors, au début, j'avais hâte de faire 1 million avant 21 ans, mais quand je suis devenue éveillée spirituelle, c'était « laisse-moi sentir plus encore ce que cette énergie de Dieu m'offre et que je peux le partager. Je sais que je dois devenir l'incarnation de cette énergie. » Et je vous dis tous en ce moment parce que je crois profondément que nous sommes tous un enregistrement à l'intérieur d'un futur qui est à l'intérieur de l'âme et qui nous attire dans le futur. Et je pense que c'est connecté à la hâte, l'empressement. Est-ce que c'est une émotion? Je pense qu'il y a, oui, un peu de cette émotion. Il y a une idée que c'est inné de l'âme avec un petit aspect de l'émotion, une petite ivresse à l'intérieur. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Merci. C'est très bon. Est-ce que tu étais curieuse de connaître Dieu, de venir? Parce que pour moi, la curiosité nous amène à cette hâte. Est-ce que c'est la curiosité? Oui, je pense que c'est lié, la curiosité, l'empressement, le zèle. Je ne sais pas. Je pense que je pourrais te dire les bons mots maintenant parce que je suis plus sage maintenant. J'ai un peu plus de maturité maintenant que ce que j'avais avant. Mais dans mes années plus jeunes, je ne savais pas que j'avais hâte de connaître Dieu. Mais je sentais toujours que l'énergie de Dieu était avec moi, qu'il y avait une protection autour de moi, que j'étais protégée par quelque chose, par quelqu'un. Et donc, je n'avais pas hâte de savoir jusqu'à temps que mes parents me donnent un peu de connaissances au sujet de l'âme, de devenir conscient de l'âme. Et j'ai continué à me dire de l'énergie de Dieu. Quand on connecte à cette énergie, cela augmente mes qualités. Et ensuite, si on commence à me parler de l'importance de mes choix dans la vie, que si on fait de bons choix, tu vas faire quelque chose de bon. Et j'étais curieuse et j'avais l'empressement à voir si c'était vrai. Parce que ça devient un peu plus compliqué. Peut-être, Krina, tu peux m'en parler, peut-être que tu vas comprendre. Plusieurs d'entre nous, on fait beaucoup de bien dans la vie, mais les choses qui sont dans nos vies sont souvent des défis.
Et ça nous rend un peu parfois confus. Et c'est ce qui fait que la vie peut nous sembler compliquée. On est une bonne personne et de mauvaises choses nous arrivent. Ou certaines gens, on les regarde. Je connais cette personne, elle était tellement méchante à sa maman et comment sa vie, elle vit dans l'abondance. Alors, je suis devenue encore plus empressée à comprendre la signification du karma et ma curiosité s'est augmentée aussi. Et ça m'a amenée à un autre chemin. Mais j'aimerais bien entendre ce que tu en penses, toi, Krina. Je pense que la curiosité, c'est la mère de la création, de la créativité. Quand l'esprit et l'intellect, c'est moins, je ne pense pas qu'on soit vraiment, on ne va pas vraiment hâte de faire quelque chose du point de vue. Mais on a besoin pour, c'est notre créativité qui fait qu'on est attiré vers quelque chose, attiré par les gens, attiré par les choses. Certainement que notre empressement nous donnera peut-être des expériences un peu limitées. Devenir millionnaire à 21 ans, c'est un empressement, mais c'était limité, mais tu l'as compris plus tard. Et tu as commencé à prendre le chemin de choses qui étaient un peu plus illimitées ou plus durables. Donc, la curiosité est importante, bien sûr. Si la curiosité crée la créativité en soi et qui nous amènera à un autre type d'empressement. Et c'est intéressant, Jenna, parce qu'il y a une ligne. Est-ce que je suis vraiment empressée? Est-ce que j'ai vraiment l'enthousiasme, de la hâte? Ou est-ce un désir qui est aussi intégré à l'intérieur de l'âme? Est-ce que c'est un désir qui vient du passé ou est-ce l'empressement qui nous attire vers le futur? Et à l'intérieur des deux, on a besoin d'avoir suffisamment d'informations et du discernement et de la compréhension de l'âme, de Dieu, du karma et de l'âme, de Dieu, du karma et du temps. Et mon discernement a besoin de se raffiner, d'augmenter au fil du temps. Et plus je vais à l'intérieur de la personnalité de l'âme que je suis, ça devient de plus en plus subtil pour comprendre est-ce que c'est la vérité ou est-ce que je suis dans la déception? Est-ce que c'est une illusion ou est-ce éternel ou infini? Et j'ai vraiment cet empressement de trouver la réponse. Donc, cet empressement, on peut toujours penser que l'empressement nous amène à une solution et à de nouvelles réalités, mais les désirs nous amènent de plus en plus dans un piège ou un attachement, et parfois les choses sont plus difficiles. Et je pense que c'est quelque chose à garder en tête. Je vais partager une expérience avec quelqu'un. Je l'ai gagné à 29 ans. Il avait fait tout ce qu'il avait à faire, même à l'âge de 29 ans, tout était fait. Sa maison était pleine de monde, il était toujours dans la fête. Et quand il est revenu, il a dit, je ne me sens plus bien aller être dans cette fête. Il était monté au grenier. Il a dit, pourquoi est-ce que je ne veux pas faire partie de cette fête? Parce qu'habituellement, ça m'intéresse. Et c'était la curiosité qui a commencé en lui, qui disait, pourquoi? Pourquoi je ne me sens pas bien dans tout ce qui me rend heureux habituellement? Alors, il avait besoin de quelque chose d'un peu plus élevé. Donc, la curiosité fonctionne bien pour un certain temps. Et créer c'est pour créer cet empressement d'être un peu plus élevé que où on en est maintenant. Je vais continuer avec cette histoire au sujet de l'empressement et du désir, parce que je pense qu'ils sont
étriqués sont vraiment emmêlés, si cet empressement ne nous amène pas vers quelque chose de solution ou de grandir, on développe une espèce de frustration, de découragement, déception, même anxiété. Et même, on peut être complètement vidé parce qu'on ne va nulle part. Et c'est ce que je veux dire. Vérifier, ça ne peut pas être de l'empressement. Ça peut être ce désir qui nous vide, qui nous ramène à quelque chose, dans un inconfort ou dans un piège où on se sent mal prise. Parfois, on est confus. Quand on veut augmenter, on veut progresser, on veut aller de l'avant dans la vie et on n'est pas certain et on ne sait pas si ce qui est prédestiné ou dans cet élément d'expérience que je n'ai pas eu encore, que je voulais avoir et qui est peut-être lié à cette frustration du désir et qui rend les choses si difficiles à atteindre. Donc, je vais mettre... Donc, ton histoire avec l'homme qui a tout, et je veux ajouter, il a tout ce qu'il lui faut. Il a eu beaucoup de faits, beaucoup. Mais il y a un moment où ça doit... Est-ce que tu as vu déjà, Krina, qu'il y a un lien entre cet empressement et le moment qui peut nous arriver quelque chose? Tout est bien à un certain moment. Et tout d'un coup, oh, on tombe comme dans un trou. Et on ne sait pas pourquoi. Donc, c'est un moment où les choses sont pas bien. Et tout d'un coup, toute l'énergie de vouloir se libérer de tout ça, de trouver notre liberté, et le temps vient et on dit, voici, le temps est venu. Est-ce que tu as vécu cela? Oui, je pense que ça fait partie de la vie de tous. C'est comme le succès qui arrive tout d'un coup dans un moment donné dans notre vie. Le succès est aussi très exponentiel. Et quand il arrive à un moment donné, il faut que ça stoppe un moment donné. Donc, je ramène la curiosité, trouver un nouveau chemin. Ouais. Et de nouveau, cette valeur de la curiosité qui va nous amener à stopper et ensuite avoir l'empressement pour pouvoir continuer. Quelque chose que j'ai remarqué par rapport à la pandémie, où tout le monde a été entre parenthèses pour un grand nombre de mois, même 2 ans, jusqu'à 2 ans. Plusieurs personnes étaient avec eux-mêmes ou avec leur famille ou avec les gens avec qui ils habitaient et un animal et leur ordinateur. Et c'est venu, un certain moment est venu où il y a une énergie. On voulait briser cette... Et le moment où ça a été le plus amplifié à ce moment-là, c'était cette hâte. Il y avait... Les gens commençaient à expérimenter à l'intérieur de l'âme cet empressement. Il doit y avoir quelque chose de plus dans notre vie. Et c'était dans notre, il doit avoir quelque chose de plus. Est-ce que je fais vraiment ce que je fais de mieux pour moi? Et tout cet empressement bouillonnait à l'intérieur des âmes pendant la pandémie. Et même les gens qui étaient spirituels avaient ce sentiment, qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qu'on doit changer notre façon de faire. Comment, même du point de vue spirituel, les gens se posaient la question par rapport à leur service. Et quand je parle de spiritualité, pour ceux qui sont ici pour la première fois ou pour ceux qui sont dans leur façon, mais la différence entre une personne spirituelle, une personne qui est en train d'être sur le chemin de la spiritualité, une personne spirituelle a un peu plus d'intuition à l'intérieur. Alors, je sais plus ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je peux
utiliser les outils pour m'aider à avancer, comment je veux contribuer à la vie. Donc, si tu es une personne spirituelle, ça ne veut pas dire que tu as tu deviens bouddhiste ou que tu as un sari ou que tu es Dieu ou on se comprend un peu plus. Donc, c'est son idée d'une personne spirituelle. Alors, plutôt avoir des informations un petit peu. Alors, ça, c'est plus dans la conscience, la croissance personnelle, quand on parle plus du corps et sur la spiritualité, c'est plus l'intériorité. Certains peuvent sentir, dit Krina, qu'on parle uniquement du point de vue spirituel, mais tu leur permets de comprendre, même voir les choses d'un point de vue spirituel, c'est très humain. Alors, voir nos propres faiblesses, nos propres forces. Alors, ça fait vraiment partie de notre vie d'être humain. Et l'empressement, ça fait partie de la volonté aussi, oui? Oui, ils sont liés, font partie de... Elles vont ensemble. Les deux sont nécessaires. Ce que j'ai appris sur mon voyage, dans mon voyage spirituel, c'est que la nature de l'âme, c'est de progresser. L'âme ne veut jamais reculer, elle ne veut jamais perdre. Et si on a la volonté de progresser, d'aller de l'avant, l'ego va nous aider. Jamais il ne laissera tomber. Et je sens que si on développe intérieurement et que l'on l'accepte dans notre propre vie, cette énergie de l'âme, qui est ce point de lumière, cet être vivant à l'intérieur et qui a une relation avec l'âme suprême, tu voudras te lever et il y aura cette énergie d'avoir envie. Pas parce qu'on a une attente. Une attente, c'est lié au désir, l'attachement, l'ego. Et ça, c'est plein de choses et ça rend les choses confuses. Mais de savoir qu'à l'intérieur de l'âme, il y a quelque chose de fondamental, d'une connexion fondamentale entre l'âme et la source. Et quand cette connexion entre l'âme et Dieu a été oubliée ou brisée depuis un long moment, c'est sûr que il devrait y avoir 8 milliards d'âmes en ce moment qui devraient vouloir faire cette connexion parce qu'ils doivent savoir qu'il y a du bénéfice dans cette connexion et de faire cette connexion entre l'âme et Dieu, cela va aider l'esprit, ça va aider notre âme. Et tout le monde a cette... Et la seule raison pour laquelle la volonté n'est pas nécessairement dans l'équation, la volonté et l'empressement, c'est peut-être parce qu'on est juste au début. Peut-être que tu regardes simplement ton nom, la couleur de ta peau, ton genre. En ce moment, il y a beaucoup de problèmes aux États-Unis sur les classes. Et une des choses dont vous avez entendu parler, les Américains qui sont dans des corps de noirs et d'autres qui sont dans des corps de blancs ont plus de privilèges. Et je ne comprenais pas pourquoi certains avaient des privilèges. Et plus j'ai pris de la maturité, j'ai compris et que ma vie, j'ai beaucoup de choses que beaucoup d'autres gens n'ont pas eues. Et je suis privilégiée que les choses nous viennent et qu'elles sont faciles plutôt que d'avoir toujours à faire des efforts. Et la raison pour laquelle tout est un défi, c'est parce que tu as l'idée que la couleur de ma peau, ma religion, je suis un immigrant, plein d'éléments limitatifs qui limitent notre âme et qui nous rend la vie difficile. Mais à l'intérieur de cela, on a vraiment l'empressement de pouvoir s'en sortir.
Et quand on applique cette vertu de l'empressement, d'être connecté à l'intérieur et connecté à la source et connecté à Dieu et connecté à cette vision de faire partie de l'humanité entière, parce que l'expérience que l'on reçoit de Dieu rend notre âme généreuse. Et peu importe où on est, les gens vont sentir ce profond appartenance à qui vous êtes. Il y a beaucoup de cadeaux, Krina. Et je peux voir comment c'est bénéfique si on pouvait appliquer cela de plus en plus. Oui. Dans le monde corporatif d'aujourd'hui, ils enseignent, si on veut devenir, on devrait voir l'empressement d'arriver à notre but, on devrait être stressé. Et le stress va nous amener à encore plus d'anxiété, n'est-ce pas? Peut-être que c'est une personne qui va être plus d'empressement. Qu'est-ce que c'est la condition du monde corporatif? Émotionnellement, ils font que ça ne va pas très bien. Je ne vais pas répondre à cela. Je pense que ça n'a pas de bon sens. Ce qu'ils veulent essayer de communiquer à leurs employés, c'est d'être, de faire, si on se... Alors, dire, si tu... Vous êtes de plus en plus empressé, stressé et zélé. Et s'ils veulent que leur compagnie... Dollar company, then have people guide your employees to work on their self-development. Alors, on doit... Les personnes devraient être contentées, satisfaites dans leur travail pour qu'ils soient plus satisfaits et faire leur travail. Parce que pour le monde corporatif, d'aller jusqu'au bout du burn-out, c'est pas nécessairement la meilleure idée. J'avais une compagnie avec... J'avais souvent à discuter. Et moi, je parlais aux employés à la fin de la journée. Ils avaient parlé de tous leurs problèmes tout au long de la journée. Elles faisaient une conférence dans le monde corporatif. Ils avaient reçu beaucoup d'informations et sa conférence était à la fin de la journée. Et j'étais devant eux et le but, c'était de laisser aller ce stress et tout ce qu'elles avaient eu tout au long de la journée et laisser faire en sorte que comment on peut être calme, positif et sans stress et relaxé. Et je sentais que c'était la seule chose que je devais leur transmettre. Parce que l'information, ils l'avaient toute reçue, ils avaient tous reçu cette information. Et c'était la partie, j'étais une belle expérience. Et je n'aime pas être la dernière. Je n'ai jamais d'empressement à être la dernière à parler dans une conférence. Mais à partir de maintenant, on peut peut-être prendre une petite pause et prendre un temps pour méditer. Peut-être réfléchir sur les mots de sagesse de Krina. Et s'il y a quelque chose qui vous a intéressé, comment est-ce que ça peut vous aider à équilibrer la curiosité et l'empressement et l'habileté d'avoir ce discernement? Est-ce que c'est de l'empressement ou du désir? Alors, on va prendre un instant et on va méditer ensemble pour continuer un peu plus par après. Alors, il y aura un commentaire peut-être. Un profond silence, doux, profond. Aucun bruit, aucun son.
Communicating with the one. Être en communication avec l'unique. Économiser l'énergie entre les âmes. Silence heals. Le silence guérit la paix intérieure. Le silence m'enseigne à écouter et me guide. Restez dans le silence et votre âme sera libre. Allez profondément. C'est tranquille, silencieux. L'âme se tranquillise, s'apaise. Le silence de l'âme. Stillness. L'immobilité. The deep experience of silence. La profonde expérience du silence. Silence cannot be shaken. Silence ne peut pas être bouleversé. Feeling with truth and love. Sentir la vérité et l'amour. In silence, God works on the soul. Dans le silence, Dieu travaille sur l'âme. Il change l'âme et lui donne du pouvoir. Nos pensées deviennent apaisées dans le silence. La tranquillité au-delà dans ce monde, mais pas appartenant à ce monde. Om Shanti. Om Shanti.
C'est très intéressant. Souvent, quand on guide les âmes dans la méditation, un des éléments que nous partageons avec les âmes, ne soyez pas si empressés d'avoir une expérience en méditation. Simplement avoir confiance que ce que vous devez expérimenter va émerger. Et quand ça vient avoir une réflexion plus en profondeur ou en méditation, ce n'est pas l'empressement, ce n'est pas la valeur, mais ça, c'est plutôt la confiance. Mais lier les points qui, de la vie, se connecter aux gens, avoir des finir des projets, atteindre un but ou un délai. Bien sûr, cet empressement à vous dire parce que ça doit, la vision dans la tête, c'est que ça doit se passer et ça doit être complété. N'oublie pas de il y a une vision à l'intérieur qui nous attire vers l'avant. Et quand on pense à la méditation entre l'âme et Dieu, c'est tout simplement là. C'est plus la valeur de s'abandonner, la confiance et laisser aller. Krina, j'espère que tout le monde a apprécié cette méditation. Voilà, Sister Krina s'en vient. Okay. Maybe did you leave the session? No, you were co-host. You can she's there. Elle est là. You can unmute your. Oh, this is a different one. Okay. Yes. Thank you. Thank you. Now merci. Alors, Krina est là. C'était une très belle méditation. Elle est profondément à l'intérieur, en milieu de notre conversation et de sentir cette immobilité à l'intérieur. On doit aimer en une seconde et être dans ce profond silence et cette... Et on doit aimer revenir dans le bruit, dans le son, où on a cet empressement de vouloir se sentir bien. Alors, cette pratique, la méditation, pour moi, a été une belle expérience. C'est entendu. On n'a pas besoin d'avoir cet empressement quand on va en méditation. C'est peut-être pas la meilleure qualité. C'est un état naturel qui peut être enseigné. C'est un état naturel où on doit pratiquer avec la méthode. Je pense que tout le monde aura de l'empressement. Ce ne sera pas nécessairement le premier, mais pas dans l'expérience. J'utilise plutôt la valeur de confiance. Parce que si on n'a pas de l'expérience, mais chacun, je serais curieuse d'entendre ce que certains des gens qui écoutent, peut-être l'écrire dans le chat, mais c'est une valeur pour voir 8 milliards de personnes sur la planète, soit publiquement ou dans le privé, de voir une meilleure version d'eux-mêmes et de donner de l'amour, d'être en paix avec eux-mêmes et de partager la paix, c'est quelque chose de très grand. Et c'est quelque chose, et ça a commencé d'une... Les gens sont... Ils ont fait, même des gens qui... C'était un lieu de la prière. Et on essaie d'utiliser l'empressement pour un petit moment, pour un court laps de temps.
Et que ce moment, cette idée de devenir une meilleure version de soi et on sent que cette énergie de valeur est connectée à l'idée de faire, même si c'est une émotion, c'est lié à aller de l'avant. C'est un mouvement de l'avant. J'ai hâte de te voir. J'ai aussi empressé de te voir. J'ai envie d'augmenter le niveau de ma compagnie. Et c'est toujours lié aux personnes et aux choses. C'est très, très connecté aux personnes, aux choses, aux emplacements. Qu'est-ce que tu voudrais par rapport à ça? Qu'est-ce que tu aimerais dans le monde en ce moment? Qu'est-ce que tu suggérais? Mais dans ce scénario, qu'est-ce que tu aimerais suggérer? Je lui en ai parlé un petit peu plus tôt. Le lien entre reconnaître l'âme et avoir une relation très privée, et connaître et comprendre la maîtrise du karma. Je pense que tout le monde entier, si le monde entier choisit de devenir plus réfléchi et d'être dans la conscience de l'âme et de commencer à discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est illusion, qu'est-ce qui donne la joie, qu'est-ce qu'on peut laisser tomber ou enlever complètement et faire cette connexion entre l'âme et l'âme suprême, il y aurait certainement une amplification de l'enthousiasme que cette âme n'aura aucun temps. Regardez les défauts des autres, regardez, pensez aux défauts des autres, parler au sujet des défauts des autres parce qu'ils font des choses plus grandes et plus importantes. Et quand une âme est vraiment en lien avec les valeurs et les valeurs qui sont liées avec la spiritualité et ce qui se passe ici, imaginez le succès des âmes qui utilisent leurs pensées, leurs paroles, leurs actions, qui soutient la grandeur, le progrès, le développement, aller de l'avant, la liberté, le pouvoir, la beauté. Imaginez la contribution sur la planète. Personne n'a l'empressement de vouloir de faire mal. Personne n'a cet empressement de vouloir voler les autres. C'est une énergie complètement différente et qui est liée à la conscience du corps. Mais si on est en empressement, on doit sentir l'appel du temps. Et votre esprit, votre âme, certainement qu'elle vous demande de porter plus attention à ce que vous sentez et être dans cette conscience en lien avec l'âme suprême. Commencez à avoir confiance dans le monde, dans vos décisions, dans ce que vous êtes en train de faire, et toujours dans cette idée de progrès, c'est-à-dire d'aller de l'avant. Jenna, il y a un mythe dans tout cela. À un certain moment, il y avait des promesses. Alors, elle parle d'un autre, un pharmacien. Il y avait plusieurs pharmaciens. Et il est devenu un peu plus spirituel. Il a commencé et soudainement, il arrête de tout faire. Et d'un point de vue de ma curiosité, je lui ai demandé pourquoi je veux arrêter ma vie spirituelle. Et il a répondu, elle m'a demandé pourquoi. Il a dit, parce que je suis en train de perdre le contrôle sur tout et je me sens perdue. Et j'ai complètement développé un désintérêt. C'est comme ça qu'il se sentait et c'est ce qu'il a dit. Et à un moment donné, les gens se comprennent mieux et d'être en relation avec le suprême. Mais les gens disent, si je commence à faire cela, si je suis empressée juste dans ma vie spirituelle, ils deviennent un peu mélangés.
Ça fait partie du projet. On est de plus en plus désintéressés. On aura une conscience un peu différente. On va se voir différemment. On va voir les autres différemment. Et on commence à raffiner notre façon de gagner notre argent, d'économiser notre argent. Et on va continuer à raffiner ce qui se passe dans notre vie. Et oui, au début, ça peut être inconfortable parce qu'on n'est pas certain. Mais personne n'a perdu à devenir une plus belle version de soi-même parce qu'ils ont simplement laissé aller des choses qui les empêchaient d'avancer. Et personne ne doit être pauvre. Je pense que c'est une fortune, la richesse, et c'est une bénédiction d'être indépendant. Mais c'est l'interprétation d'être et d'avoir cet empressement d'amener ça dans notre vie, dans notre relation, dans notre famille, avec notre relation à l'argent de façon générale. Ce mythe, est-ce que tu as ou l'empressement a aidé quelqu'un à aller de l'avant? J'ai beaucoup de preuves. Quand on regarde nos yogis chez les Brahma Kumaris dans notre culture, ils ont eu l'empressement s'ils pouvaient incarner les vertus et les pouvoirs de Dieu en elles. Et j'ai compris qu'en utilisant cette connexion avec elles-mêmes dans leur pratique du matin, elles se réveillent tôt le matin et avoir une connexion avec le divin et elles-mêmes. Ensuite, elles avaient une étude, elles mangeaient un repas végétarien 3 fois par jour et la durée de journée prenait 1 minute ou 3 minutes à chaque heure et demie. Et vers 7 heures et demie, elles s'assoyaient et ensuite, à 10 heures, à 11 heures, elles allaient dormir. Alors, comprendre qui on est, c'est ma preuve. Ce n'est pas une question d'une fois, parce que l'empressement fait partie de notre nature qui nous pousse vers l'avant. Et je le vois chez plusieurs de nos membres, chez plusieurs de nos... Et j'ai vu cela aussi à l'extérieur des Brahma Kumaris. Oui, j'ai des amis qui sont très proches de moi et qui sont des êtres qui illuminent le monde et qui ont pu soutenir les gens, leurs disciples, finir leurs livres. Il y a des milliers de personnes que cette énergie fonctionne si on le permet, alors spirituellement et même dans le monde physique. Et cette étude ou cette preuve, il y a beaucoup de travail. Elles ont été très actives. Je pense qu'elles ont travaillé beaucoup. Je peux dire que pour moi-même, si l'amour n'est pas un courant en moi, mais s'il y a beaucoup d'amour qui flotte en moi, j'ai aucun problème à une montagne, 2 montagnes, je vais les déplacer. Ça revient à cet empressement d'être connecté. Est-ce que l'humanité est intéressée à cette idée qu'il y a une énergie qui est plus grande que nous et qui veut être avec nous sur notre pèlerinage et que cette énergie de Dieu qui nous manque pour lui nous permettre de travailler sur nous pour qu'on devienne de meilleurs citoyens. Et je pense que si tout le monde reconnaît cet empressement, le monde sera un monde meilleur. C'est très vrai. J'ai eu la chance, la fortune de te poser des questions, mais c'était très pratique. On a fait peut-être enlever plusieurs mythes. Peut-être que certains ont séparé
la spiritualité et le monde physique. Et peut-être que leur empressement était peut-être un pour l'autre, un sur l'autre, mais tu as mêlé les deux ensemble et quelqu'un peut avoir, grâce à leur travail, à travers leurs activités, à travers leur choix d'être actif, augmenter leur spiritualité dans leur vie, devenir plus puissant, se sentir bien. Je pense que c'est une belle valeur, l'empressement, et utiliser dans notre vie de cette façon. Et c'est une belle façon. Jenna, merci beaucoup. C'était agréable de t'entendre. Merci, Sister Krina. Parce que si tu te souviens, quand on s'est rencontrés il y a plusieurs années, j'avais beaucoup d'empressement à faire des choses ensemble dans le service et sans faire de sans faire quoi que ce soit, le drana, mon empressement à vouloir travailler avec toi sans faire trop d'efforts. Voici ce qui s'est passé. C'était la vision de la conscience de l'âme. Et notre élément, si notre pensée et puissante, l'empressement va toucher la cible. C'est bien, j'aime beaucoup ça. Est-ce que s'il y a des questions, on pourrait prendre des questions. On va aller voir s'il y a des questions. Alors, Jenna, merci Jenna et Krina. C'est une belle discussion profonde et j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé que Jenna, tu as dit que on doit y penser. Il y a une sœur qui demande comment peut-on expérimenter si cette âme est en relation avec le divin. Est-ce que je peux savoir si mon expérience fonctionne et que mes vibrations se répandent sur le monde entier. Est-ce que tu peux nous aider à être dans cette conscience de l'âme et comprendre que ça fonctionne, que l'empressement, je pense que tu pourrais répondre à cette question avec tes années d'avoir enseigné cela. Merci. En étant en entraîné de la bonne manière, ça prend un entraînement pour pratiquer la conscience de l'âme et ensuite se brancher avec l'âme suprême. Ça prend une certaine, et on peut l'essayer par soi-même, mais parfois c'est mieux d'avoir des questions de ce qu'on expérimente, si c'est bien. Et on a besoin d'avoir certaines vérifications parfois. Donc, c'est mieux à ce moment-là d'aller dans un centre près de chez vous, dans un centre de Raja Yoga près de chez vous, et faites le cours sur la méditation où vous allez apprendre des aspects d'un point de vue métaphorique, mais vous allez avoir des gens qui vont vous aider aussi. Et bien sûr, vous allez méditer personnellement. Il y aura des méditations de groupe qui peuvent vous aider aussi. Mais ce serait la bonne façon, d'expliquer maintenant. Ce sera une conversation assez longue. Donc, c'est une expérience de vie. Alors, c'est difficile d'expliquer ça en quelques secondes, mais si vous voulez être en lien avec alors, c'est ça, de peut-être faire le cours d'abord. Et je pourrais peut-être ajouter celle qui a posé la question. Alors, les gens, parfois les experts, la connexion à Dieu, bien sûr, la vibration est là à travers le monde, bien sûr. Mais quelque chose qui m'a aidé beaucoup, même si ma pratique n'est pas toujours, parfois, j'envoie des bons souhaits aux gens.
Et si on se promène dans le monde aujourd'hui, juste dans une journée, et souhaiter aux gens que les gens aient une meilleure vie. Et vous allez gagner de l'expérience de cette pratique et vous allez avoir de plus en plus confiance en vous d'être branché sur quand cette énergie commence dans notre esprit à cette belle appréciation, cette gratitude qui nous vient à souhaiter du bien aux autres. C'est une belle façon aussi. Ça n'arrive peut-être pas toujours tout de suite de se brancher à l'âme, au divin, à la source, mais c'est bien de l'expérimenter avec les individus dans le monde physique. Vous avez, pour les nouveaux qui veulent utiliser le code de conduite chez les Brahma Kumaris, mais ils ne veulent pas. Les béquets ne vont pas essayer de faire les choses. J'avais des shorts, Alors, j'ai été habillée avec des shorts, avec les cheveux sur le dos, et elle me laissait entrer, elle disait « Om Shanti ». Donc, il y a quelque chose de très beau parce qu'ils étaient très écaillants. Je voulais simplement la paix, je voulais voir les sœurs, je voulais goûter à leur nourriture, je voulais mettre quelque chose dans leur boîte de faire une contribution et je voulais voir si elles avaient besoin de quelque chose. Et après, j'ai envoyé mes amis au centre. C'est pas pour moi, mais vous autres, ça va être bon pour vous autres. Alors, j'envoyais mes amis aller au centre. Moi, je n'y allais plus, mais mes Et j'étais quand même liée. J'aimais encore les sœurs au centre. Je me souviens comment ma mère était un si bel exemple. Et après, j'ai eu une vision, une transe à l'extérieur du corps. C'était mon éveil. Et c'est comme l'histoire de l'homme qui était... Et c'était le même genre d'expérience que Sister Krina a raconté. Et quand c'est notre temps, c'est le temps et on n'a pas besoin d'être forcé. Même chose, Krina a aussi parlé quelque chose qu'elle aimait. Elle était empressée. C'était de passer avec les sœurs du centre. Et cela, elle, ça l'a aidé à grandir. Donc, c'est pas important les principes et tout ça, mais parce que votre cœur vous dit que c'est bon pour moi. Et si c'est votre temps, il n'y a rien qui va arrêter la chose, ça va se passer. Mais en attendant, si c'est bien pour vous, allez-y. Je voudrais ajouter quelque chose, dit Krina. Quand je suis venue en contact avec les biquets, j'ai reconnu les saris blancs comme étant un uniforme. C'est comme dans une école privée où il y a tout le monde a des de même façon de fonctionner. Ils ont tous, même les professeurs ont tout le monde le même costume. Je n'ai jamais vu que c'était un code de conduite. Je savais que c'était pour les professeurs, pour ceux qui étaient dédiés, pour pouvoir les reconnaître. Elles étaient à l'extérieur de l'école pour qu'on puisse les reconnaître. Est-ce que tu es Brahma Kumari? Et je sentais que c'était simplement pour se reconnaître et une discipline qui s'était dédiée en tant que Brahma Kumari. Et ceux qui venaient tous les jours au centre, quand elles ont commencé à aimer le blanc, elles ont commencé à s'habiller en blanc. Je veux aussi porter du blanc. Personne jamais n'a été obligé que c'est un code de conduite et vous devez vous habiller en blanc. Ça n'a jamais été dit. Porter du blanc, c'est un uniforme, c'est vraiment pas un code de conduite, mais deuxièmement, ça fait partie de la discipline.
Mais quand une organisation veut passer l'épreuve du temps, on a besoin de force. On a besoin d'être continuellement encouragé parce qu'on est des êtres humains. On a des intérêts différents, on a des énergies différentes, ça va dans des directions différentes. Et pour que ce soit unifié, cette énergie d'être unifiée et d'avoir une fondation forte pour l'organisme, parce que ça, c'est à travers le monde, mais ça a besoin d'être unifié. Le conduite, c'est pour que tout soit bien, ce n'est pour que ce soit une bonne enracinement dans l'organisme. Si je vais là-bas, je dois observer les codes de conduite, mais ce n'est pas ça la situation. Merci, Krina. En tant qu'organisme, organisation, on a besoin, et Jenna aussi, apporter dans sa vraie... Elle dit elle avait l'empressement d'aller au centre et d'être soi-même comme on sent. Et quand on y va, on peut expérimenter. Alors, une dernière question. Jenna, comme tu as dit, l'empressement, ça nous tire vers l'avant, c'est plus le futur. Est-ce que l'empressement c'est court terme ou est-ce que l'empressement est plus illimité? Comment puis-je voir la différence? Comme mon empressement est juste dans nos enseignements de Brahma Kumari. Il y a trois feuilles de papier qu'on lit tous les jours, c'est le Murli. Et le Murli est un guide, une lettre d'amour du divin ou le fondateur Brahma Baba. Et quand je connais mon empressement, c'est mon alignement des directives et les directions par le divin à travers le Murli. Et parfois, ça prend un peu de temps de comprendre ce que Dieu nous dit, et parfois on est assez confus à l'intérieur et on n'a pas nécessairement le discernement de voir est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça vient du divin, de l'âme suprême, de Dieu. Mais ça prend quand même une période de temps. On ne devient pas conscient tout de suite que ceci va se passer. Ce sont des lois universelles. Mais je crois que cet empressement et qui a la volonté d'appliquer certaines vérités que l'on reçoit de Dieu ou de l'au-delà, la vérité, la spiritualité, la connaissance spirituelle et qui nous amène vers l'avant, on peut faire confiance. Si d'une certaine manière, on sent que l'énergie se tourne en désir, se transforme en désir ou une attente, et on est en train de... ce qui est demandé, la spiritualité ou la sagesse qui nous est donnée dans le Murli, si d'une certaine manière, cela va à l'encontre de cela et que vous sentez sur une frustration quelconque, mais quelque chose que vous voulez, quelque chose est très difficile, que vous êtes en conflit, que vous êtes dualiste, et cela va vous amener de plus en plus vers l'extérieur. Vous ne sentirez pas la satisfaction que vous êtes supposé avoir, que vous pensez devoir avoir. Si vous avez cette expérience-là une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois, peut-être que c'est vous qui allez connaître cette expérience et votre discernement dit, je ne veux pas aller dans cette direction. Donc, on commence
Alors, on peut peut-être, est-ce que ça a du bon sens? C'est à l'intérieur, l'empressement. Connaître, c'est quoi les expériences qui nous amènent vers des, nous retirent vers l'arrière. Et ça doit être aligné finalement entre ce qu'on veut faire comme progrès et ce qui nous tire vers en arrière. Alors, maintenant, il y aura une méditation. Ashok Mehta va dire merci beaucoup. Est-ce qu'on peut avoir la méditation, David? On peut avoir c'est Santosh qui va envoyer, mettre ça dans le mail et tu vas pouvoir te l'envoyer aussi. Est-ce qu'on peut rencontrer Sister Jenna? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis au service pour toutes les âmes. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est juste ou pas, mais on a tous besoin de beaucoup de temps. On a besoin de temps pour. Mais je pense que quand les âmes viennent pour des conseils, que vous le preniez, quelque chose de vrai qui va vous faire progresser. C'est pas comme aller sur les médias sociaux. C'est vraiment prendre une pause et penser en profondeur parce que profondément, on a cette idée de vouloir changer. Donc, bien sûr, contactez-moi si vous êtes intéressé à cela parce que je pense que notre temps, notre énergie ici a une très grande valeur et on ne veut pas perdre un instant. Bien sûr, bien sûr. Les gens qui veulent avoir. Oh, oui, mais ça doit être profond. Ce n'est pas un autre surf. Alors, Atosh Mehta. Allô, Ashok. On a beaucoup aimé. Je pense que les dialogues sont intéressants parce que ça nous permet, à mon avis, la curiosité, l'empressement. Et je pense que le progrès intérieur et extérieur. J'ai vu les progrès en science, cet empressement jusqu'à des changements en science. Il est médecin, hein? Alors, dans les années 60-64, on a fait beaucoup de transplantations sur les animaux, sur les chiens. Ces expériences que l'on faisait sont devenues, un an ou deux plus tard, sont devenues la réalité. On a envie de parler de Dieu, on a envie de parler de toutes sortes de choses. On veut vivre des vies riches. Parfois, les personnes ne comprennent pas comment ça fonctionne dans la pratique. L'empressement de retourner l'inconnu. Et je pense que tu en as parlé très bien. Surtout notre progrès en spiritualité. Nous avons très fortuné d'avoir justement la vérité qui vient de l'âme suprême. Et c'est la première chose qu'on doit comprendre, que cette privilège d'avoir l'information directement, d'avoir cet empressement à vouloir connaître la vérité, c'est souvent en nous. Et vous nous avez bien montré cela. Et vos vies qui sont vous êtes dédiées, vous avez fait un
Tellement beau service, toutes les deux. Votre beau, bel exposé de votre expérience de l'empressement, c'est très, très beau. Merci. Om Shanti. Claudia va ouvrir son micro. Merci à Gina et Krina. C'était très beau de vous entendre toutes les deux. Et je voudrais te dire, Gina, au début de ma vie, chez les Brahma Kumaris, je voulais être maître du karma, l'étude du karma. Et jusqu'à maintenant, je suis encore empressée à devenir un maître de cela. J'ai compris que le karma, c'était la base de ma vie. Et tout au début, je regarde encore à tout cela. Et je pense que on veut toujours faire en sorte que les autres sont heureux et en santé. Donc, on s'empresse. Et quand on s'empresse à trouver la vérité, on n'a pas besoin de faire de compromis. On travaille toujours au mieux. Merci à vous deux. Vous nous avez apporté beaucoup de lumière sur le sujet. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et merci à tous, tous les seigneurs qui sont assis devant nous. Ça touche nos cœurs. Merci beaucoup d'avoir été là. Alors, c'est les annonces du prochain programme et on va faire la dernière méditation avec Jenna et Krina. We will do the eagerness values workshop on eagerness after 1 week, as we always do. Alors, dans un mois, le samedi, donc le 3 juin, il y aura l'atelier à 10h. Et Sister Hindu qui vient de Leicester, au Royaume-Uni. Donc, il y aura l'atelier d'abord. Et la prochaine fois, le 10 juin, ce sera Shashi. Shashi et Daksa qui viennent toutes les deux du Royaume-Uni aussi, donc de Greenford Center puis Inner Space, Wembley. Et ce sera encore sur le sujet sur l'idée de aider. Voici les sites si vous voulez faire venir l'information ou être en communication. Donc, il y a le centre de Vancouver, il y a les vidéos sur le YouTube et il y a aussi les playlists dont vous avez l'adresse aussi. Merci à chacun. Avant d'être en méditation, on va prendre une photo. Krina, est-ce qu'elle est là encore? Son visage est parti. Always the participants request to have a photograph with the guest. So everyone, please open your video. We'll take a quick virtual photo. Thank you, everyone. Yes, Yashika. We are all ready to experience that. On va même faire la vidéo maintenant. Pas la vidéo, mais la méditation maintenant. Simplement faire jouer la musique. On va faire jouer la musique de Om Shanti. Alors, merci à tous. Dr. Ashok Mehta. Tu es mon héros, Sister Krina. Faire en sorte que notre temps ensemble soit bien orchestré. Merci de mon point de vue. Merci à chacun.
Om Shanti expérience. Alors, on s'envole, on laisse aller tout ce qui est incertain, au doute, à gaspillage, la négativité, pensez que vous n'êtes pas. Ne restez pas piégé dans le passé. Restez présent et reconnaissez qu'à ce moment-ci, c'est le plus grand cadeau que vous recevez. Prenez-le à cœur. Prenez-le pour vous. C'est pour vous. C'est le moment présent. Et c'est le moment d'aller inspirer, expirer. Inspirez encore. Expirez. Inspire. Expire. Let's go into Om Shanti. Maintenant, voici Om Shanti. Alors, une belle expérience à tous ceux qui écoutent. À une prochaine. Om Shanti. Thank you.
Thank you, everyone. Thank you, Sister Jenna. Thank you, Sister Krina. Thank you. Again, see you again.